Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous amène sur le cross. C'était le premier cross de DS. On est donc arrivé sur le lieu du cross car dans notre centre équestre même on n'a pas de cross, du coup on est allé dans un centre équestre voisin. J'ai donc préparé DS, je lui ai mis des cloches, des protège-boulets, des guêtres bien évidemment, ma bavette. Et voilà. Et moi j'ai bien sûr mis mon protège-dos. Après sinon comme d'hab je n'ai rien mis de plus. Et voilà. On a donc commencé à détendre et je tiens à noter aussi que là c'est Estelle et Tornade. C'était aussi le premier cross pour Tornade. Donc bref, on a commencé à détendre au début, un petit peu galère car DS avait vraiment beaucoup de jus. Elle pensait pas qu'on allait travailler, elle pensait juste qu'on allait galoper plein cul dans un champ. Et après qu'elle a compris qu'on était là pour travailler, elle était beaucoup mieux. Enfin, là, comme vous pouvez le voir, elle chauffait un petit peu, mais bon. DS quoi! On a donc commencé à sauter. Alors DS était bien malgré qu'elle chargeait un petit peu. Mais bon, j'essayais de toucher le moins possible à la bouche et c'est plutôt pas trop mal passé. Très clairement, je me mettais en passager clandestin au-dessus de mes pieds. Je touchais à rien et j'attendais qu'elle fasse tout toute seule. Il s'en est vraiment super bien sortie, elle n'a fait aucun refus de toute la séance, elle a été mais juste incroyable, elle n'a vraiment peur de rien du tout. Donc après on a commencé à faire des éléments, des petits enchaînements un par un, comme vous voyez, hein, bon, le contrôle n'est pas extrêmement présent, mais ça a été, elle était à l'écoute, elle revenait bien et elle sautait vraiment très très bien. Après, on s'est attaqué au contre-bas et au contre-haut. Là, le plus dur pour moi en tout cas, ça a été d'être réactive et donc de garder ses épaules en arrière lors de la descente et après d'accompagner avec les épaules en avant lors de la remontée. Du coup, je me faisais un petit peu secouer, en plus DS sautait. Je remets ce passage en ralenti pour voir à quel point j'ai failli me manger le poteau dans la gueule. Heureusement que DS tourne bien à droite. Après on a sauté voilà une petite haie et DS n'a même pas mis la réhausse, enfin vraiment elle avait peur de rien. Et après une fois qu'on avait fait tous les éléments, on a enchaîné tous les obstacles que l'on avait fait. Donc là on pourrait dire que c'est un peu un triple avec 5-6 foulées entre chaque obstacle. Du coup on commençait par une haie au fond, après on tournait vers la gauche et on arrivait, alors moi j'arrivais droit mais DS se décalait fortement à gauche, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5 pour DD et 1, 2, 3, 4, voilà, quand je vous dis qu'il n'y avait pas de contrôle, mais bon ça sortait bien comme ça, j'étais dans un bon galop de cross donc en avant. Et pour Tornade, ce fut 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 2, 3, 4 et 5.
Donc voilà, après cet enchaînement, on s'est arrêté. On a monté, je pense, 1h30, quelque chose comme ça. On est rentré, j'ai décellé DS, je lui ai douché les pattes, on l'a remis dans le camion et on est reparti au club. Et l'après-midi, elle est allée au paddock. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère ne pas avoir dit trop de conneries parce que je ne connais pas grand chose en cross. Mais en tout cas, c'était une très bonne journée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt en CSO. Mouah. Alors, Popo, tu t'es victime par des dés ?